là, comme chaque matin, c'est les moins du matin. Soyez les bienvenus sur Énergie. Tout le monde est là, il y a Isabelle. Bonjour. Il y a Glandu qui est là. Coucou. Il y a Paulette. Et salut. On va s'écouter Angèle, il y aura aussi Loomix qui arrive. Mais tout de suite, 7h36, comme chaque jour, depuis lundi, il est temps de vous offrir 5000 euros. Le livreur Énergie. Tu la maîtrises là. Je fais bien la mobilette. C'est impressionnant. Un truc que je fais bien dans la vie, j'avais le choix. Tu veux bien faire l'amour ou la mobilette? J'ai dit la mobilette. Moi, je fais bien la mobilette. Le livreur Énergie, tous les matins, dépose un colis avec 5000 euros à l'intérieur devant une porte. Ça peut être votre porte, il suffit de vous inscrire. Vous allez sur énergie.fr ou sur manudans69.com, c'est gratuit évidemment. Et c'est tous les matins après les infos de 7h30. Livreur Énergie, est-ce que vous m'entendez? Livreur Énergie. Ah non, c'est de ma faute. C'est moi qui ne sais pas appuyer sur le bouton. Voilà. Là, j'ai appuyé sur la bombe atomique. Livreur Énergie, vous m'entendez? Eh bien, je t'entends toujours. Moi. Écoutez, normalement, j'ai appuyé sur le bouton, ça devrait vous envoyer un missile dans la gueule. je scrute, mais je ne vois rien arriver pour l'instant, donc. Alors, attention, le Livreur Énergie se trouve à un endroit où vous allez pouvoir le découvrir parce que nous sommes en Facebook Live. Ouais. Parce qu'avec les images, c'est encore plus puissant, j'avoue. Ah ouais. Parce qu'il y a ce moment de suspense. Ouais. Le principe, je vous le rappelle, dans un instant, le Livreur Énergie va déposer le colis avec 5000 euros à l'intérieur devant une porte. C'est peut-être votre porte. À partir du moment où le colis est posé, vous avez 30 secondes, pas une seconde de plus, pour ouvrir la porte. Ouais. Et là, vous prenez le colis, vous sortez le chèque de 5000 euros à l'intérieur. Et à tout moment, parce que nous faisons ça avec Cdiscount Voyage, et que Cdiscount Voyage, c'est pas les derniers, on peut vous offrir en plus dans le colis 10 000 euros de bons d'achat de voyage. C'est énorme. Chez Cdiscount Voyage. Ils sont généreux. Hein. Ah ben, ça te fait soit 1000 allers-retours tout petit. Oui, c'est un peu. Ouais. Tout petit. Soit un putain de beau voyage dans le monde. Ouais. Ouais. Attention, Livreur Énergie, est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Livreur Énergie, je vous propose de commencer à marcher. Nous voyons les images. Allez. Vous êtes devant une haie. Attention, le Livreur Énergie est dans une rue. Il marche sur le trottoir, car c'est important, on le rappelle, quand on est à pied, on ne marche pas sur la route. Bien évidemment, le Livreur Énergie est poli. Alors, apparemment, le Livreur Énergie était positionné assez loin de la maison. Ah, il arrive à rentrer. Ah. Il rentre dans une maison, il pousse un petit portail blanc et il pose le colis. C'est parti. Attention, nous sommes à Limoges. Ah. Le collier est posé devant une maison en pierre, la porte est blanche. Elle borde une rue, elle se trouve au centre d'un grand terrain. Il y a un petit muret qui sépare le trottoir de la maison. Vous avez 30 secondes pour ouvrir la porte maintenant. Dépêchez-vous, le temps passe vite. La porte de la maison est blanche. Il y a une vitre sur la porte. Derrière la maison, il y a une terrasse en mezzanine avec un petit salon de jardin. Le collier est devant la porte. Vite, il reste quelques secondes, pas grand monde passe. Mais non. Mais c'est pas vrai. Mais non. Mais si. Mais c'est pas possible. Livreur Énergie. Oui. C'est terrible ce qui va se passer. Oui, c'est pas non plus la fin du monde, mais. Non mais attends, je t'explique. Mais oui, je t'explique, ils sont là. Oh, je les voyais. Il y a une fille qui vient de sortir. Bon, une fille qui vient de sortir en culotte quand même, c'est. Mais bon, mais pourquoi non. Pas, hein, mais je les voyais. Mais ils étaient à l'intérieur, ils entendaient pas, ils écoutaient pas la radio. Livreur Énergie, est-ce que tu peux me passer la fille qui est derrière toi? Ben oui, je te la passe, Manu. Oh, allô? Bonjour. Oui. Bonjour. Tu t'appelles comment? Oui, je m'appelle Sandy. Sandy, t'as vu ce qu'il y a devant ta porte? Oui, j'ai pas ouvert à temps. Ah ben disons que tu avais 30 secondes, t'écoutais pas la radio, Sandy? Ah ben je viens d'aller sur la radio, sur le direct, il y avait rien. Si on est là, hein, je te dis. Oh non, putain, non. Bah si, on était là, on est en Facebook Live. Non. Bah si, t'es en culotte en Facebook Live, je suis désolé. Je suis désolé, Sandy, il fallait ouvrir la porte avant. Putain, je travaillais pas aujourd'hui, en plus je me suis levée. Mais tu t'es levée et t'as pas entendu la radio, qu'est-ce qui se passe? Mais non, la porte était ouverte, donc je me suis dit que j'entendrais, en plus mon chien était dehors. J'étais sur la porte. Et ben voilà, Sandy. Alors là, c'est le premier. Il faut écouter la radio. Il faut regarder la vidéo. Si vous reconnaissez votre maison ou votre appartement, il faut sortir. Vous avez 30 secondes, Sandy. J'ai l'impression que tu n'as plus grand chose à dire. Ouais, mince. Moi, j'ai envie de pleurer. Ça me brise le cœur. Ne me fais pas ça. Hein. Non. Ne me fais pas le coup de je pleure. Hein. Ah non, parce qu'après je culpabilise et tout. Tu te débrouilles avec le livreur. Je suis sorti longtemps, beaucoup de secondes après la fin du vide. On est devant ta porte depuis hier matin. On t'embrasse fort, Sandy.
Merci, au revoir. Gros bisous à toi. 7h41. Bah oui, mais ça arrive. Bah ouais. Oui, bah c'est le jeu, hein. Mais oui, il faut ouvrir votre porte. Il faut écouter la radio. Il faut pas vous dire peut-être que ce sera moi. Il faut vous dire oui, ce sera moi. Ouais. Mais c'est dur, quoi. Vous vous inscrivez sur énergie.fr ou manu dans le 69.com. Demain, le livreur énergie sera peut-être devant votre porte avec 5000 euros. Angèle sur énergie. Bon réveil, c'est Manu dans le 69. J'ai commencé par Instagram. C'était cool, j'avais un très bon.